L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Ministère public compte M. C.C. Raphaël Lavard, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Tchegoro Kamara, M. Ibrahim Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Gakite Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keita, M. Alpha Amadou Balde, M. Abdoulaye Chérib Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui, les partis civils, M. Ouri Bailouba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. Voilà, comme annoncé lors de la dernière audience, le tribunal va entamer aujourd'hui les confrontations. Et à cette phase, avant de commencer, le tribunal informe toutes les parties que la confrontation, ça ne veut pas dire qu'on va reprendre les débats entièrement. Le tribunal a choisi quelques personnes entre lesquels il y aura une confrontation et des points précis seront débattus. Ça veut dire qu'on ne reviendra pas complètement sur les débats. Les débats sont déjà passés, tout le monde a suivi les débats et on va poser des questions, bon, ceux qu'ils voudront, sur des points bien précis. Et s'il y a des parties qui veulent demander la confrontation entre certaines personnes, le tribunal appréciera ça au moment opportun. Le tribunal appelle M. Moussa Dadis Kamara. Monsieur Aboubakar Gakite, Di Toumba. Monsieur Pony, envoyez des chaises par là, s'ils veulent s'asseoir. Voilà, M. Gakite, vous restez là-bas. Un micro pour lui. Voilà, prenez d'abord le micro.
Monsieur Marcel, est-ce que vous pouvez trouver une troisième table? Monsieur Diakité, vous pouvez vous asseoir. Monsieur Marcel, venez par là. Il y avait une troisième table où vous l'aviez envoyée. Un micro pour Monsieur Marcel. Prenez pour le ministère public pour le moment. Le ministère public, c'est le micro du ministère public. C'est bon? Vous voulez parler, maître? J'ai fait déposer au greffe une liste. Je ne sais pas si le tribunal a reçu concernant les comptes. C'est pourquoi j'ai précisé que s'il y a des parties qui demandent à ce que des personnes soient confrontées, au moment opportun, le tribunal appréciera. Oui, mais c'est déjà déposé. Je veux m'assurer que le tribunal a reçu. Le tribunal appréciera au moment opportun, maître. Est-ce que le tribunal a reçu cette... La question, elle est très simple. J'ai déposé au greffe. Je veux m'assurer que le tribunal, parce que ça a été communiqué aux autres parties. Maître, le tribunal a répondu. Au moment opportun, ça sera apprécié. Ça va passer. Au cours des débats, vous trois qui êtes à la barre avez tous évoqué la question du commandant du régiment. Donc le tribunal revient sur cette question précise pour savoir à ce moment-là qui était effectivement le commandant du régiment. On va commencer par M. Camara Moussa Dadis. Merci, M. le Président. La question, elle est précise. Hein? On ne va pas trop dans les débats. Voilà. Merci, M. le Président. Et comme je l'avais dit à l'époque, et puisque
les deux commandants n'étaient plus en fonction. Et c'est le commandant Toumba qui assurait les fonctions de commandant de régiment. Et si je veux aussi être plus précis par rapport devant votre tribunal, vous savez, lorsque le débat a commencé, quelque chose qui n'est pas réel, on ne peut pas l'inventer. Vous avez remarqué lors du passage de commandant Toumba, que je respecte beaucoup, il a dit devant votre tribunal, je crois que vous avez même une partie, une séquence même de la vidéo, où il expliquait que les éléments ne cherchant pas le rôle qu'il assumait, puisqu'ils étaient ils ne connaissaient pas la fonction qu'il assumait, il a clairement dit qu'il était le commandant du régiment, mais les autres qui lui faisaient la guerre ne le savaient pas. Alors j'estime que, Monsieur le Président, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le commandant Toumba même qui a dit devant votre tribunal. Et j'estime, vous pouvez encore revoir même la vidéo. Voilà. Monsieur Diakité Aboubakar dit Toumba, la même question pour vous. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, de m'avoir donné la parole pour m'expliquer par rapport à la question relative au commandant du régiment. À cette phase de la procédure, après des mois d'observation dans le box, en suivant les débats, ce n'est pas une nouvelle question. Elle a été débattue ici bien avant. Mais je viens d'écouter la réponse de mon président par rapport à cette question. Je voudrais ici le rappeler qu'il est question ici d'État. Ce n'est pas un jeu. C'est pourquoi la prise du pouvoir, les fonctions ont été bien définies. Ça, sans qu'une seule personne ne pouvait en aucun cas être par-ci et par-là. C'est pourquoi la gestion de la présidence est partie à la nomination d'un ministre chargé de la sécurité présidentielle en connaissance de cause. Et des décrets ont été pris pour nommer un commandant du régiment et son adjoint. Et me nommant aide du camp, c'est-à-dire confident et conseiller direct du président de la République. Donc, mon autorité était circonscrite directement au salon. Cela n'a pas été un fait d'hasard puisque tout le monde était connu à l'époque. Les fonctions ont été réparties. Et partant de ça, il est facile de se rendre compte que, c'est-à-dire la gestion du commandement des hommes, puisque c'est le président, c'était à sa propre discrétion, son pouvoir discrétionnaire, de nommer qui il voulait dans les différentes fonctions,
Et donc, s'il a nommé des personnes à des fonctions qui ne connaissaient pas leurs attributions, cela, le président, ne, en toute sincérité, ne pourra que qu'en vouloir à lui-même. Même alors, pour vous, qui était le commandant du... Le commandant, comme je l'ai dit, à un moment donné, les commandants, sous instruction du président, je le dis, ont été arrêtés et le président, il est là. Moi, si nous avons été ensemble, c'est avec beaucoup de confiance. Monsieur Gakiti. Et donc, il était le commandant du régiment et le général Konaté. Si je prononce son nom, c'est avec big respect que je vais annoncer son nom. Prononcer son nom ici, le général Sekouba Konaté. Je prononce son nom avec big respect. Voilà. Alors pour vous, c'était M. Moussa Dadis Camara, le commandant du régiment. Si ce n'est pas le cas qu'il me montre un acte me nommant officiellement commandant du régiment, mais en attendant, j'étais l'aide du camp du président. Monsieur Moussa Dadis. Merci, Monsieur le Président. S'il vous plaît, je veux poser une question. Oui. Comment on devient commandant du régiment? Et commandant, c'est lorsque le président signe l'intéressé qui devient commandant. Lorsque le président signe l'acte. Je crois que le procureur même avait, lors du débat ici, il avait effectivement exhibé un document dans lequel il y avait le commandant ça, oui, le commandant ça. C'est comme ça qu'on nomme le commandant. Mais non. Dans le cas précis, Monsieur le Président, il faut qu'on soit honnête. Je n'ai aucun intérêt de mentir sur mes subordonnés. Lorsqu'on prend, comme vient de dire le commandant Toumba, qu'il était aide de camp, je suis d'accord. Mais au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle l'usurpation du pouvoir. Bon, vous avez dit qu'il faut que le président prenne un acte. Est-ce que vous avez pris un acte dans ce sens? Non, l'acte n'a pas été pris. C'était en attente de chercher un des nouveaux commandants de régiment. C'est en ce moment où... Et pendant ce temps, qui était alors le commandant du régiment? Voilà, pendant ce temps, c'est ce que je veux vous dire, Monsieur le Président. Pendant ce temps, c'est le commandant Toumba qui gérait le régiment. Un acte prouve même, un acte officiel prouve qu'en ce moment-là, il était le commandant. Parce que le retrait des jeunes recrues de Kalea, où j'avais fait foi de ce document, j'estime que le document encore existe, il est parti, il a, je crois que c'était 22 recrues, il les a sortis avec un acte authentique. Pour vous, cet acte-là fait de lui commandant du régiment? Mais, puisque, oui, pour moi, puisque... C'est bon. Voilà. Monsieur Marcel Guilaoui, la même question pour vous. À l'époque, qui était le commandant du régiment? Merci, merci, Monsieur le Président. Aidez-le avec le micro. Soulevez-le. Je dis merci, Monsieur le Président. Je rends gloire à l'éternel Dieu, le miséricorde, de m'avoir encore donné la chance de parler en ce temps pour ce jugement du 28 septembre. Merci au Seigneur. La question de savoir qui était le régiment. Monsieur le Président du tribunal, l'armée est très complexe.
La définition de l'armée, dans le sens propre, est un esprit saint dans un corps saint. L'autorité de l'armée ne doit pas faillir, ne doit pas faire l'échec dans ses commandements, s'il en est responsable. C'est pourquoi les décrets sont pris par le président de la République. Les notes de service, chez nous dans l'armée, on dit notes de service, viennent dans les compagnies. Le commandant de compagnie peut nommer adjudant de bataillon, adjudant de compagnie, chef de section, ainsi de suite. Mais les titres de responsabilité incombent tout simplement au président de la République et son ministre de la Défense. Alors, moi, en aucun cas, je vis un deuxième décret nommant une autre personne à la place du colonel, aujourd'hui le colonel Sa Alphonse, qui était adjoint au colonel, il est paix à son âme, Aïdor. Eux, c'est le président lui-même qui les a évoqués, révoqués à leur fonction, parce qu'il fut arrêté. Est-ce que vous pouvez être bref? Je suis en train. La question, elle est précise. C'est très précise, mais si on n'explique pas, on dit seulement tel et tel. Vous savez toutes ces explications, oui. Monsieur Marcel. L'explication, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je s'il vous discute vous plaît. Pas avec vous. S'il vous plaît. Je suis en train de donner la. Vous m'écoutez? Oui. J'ai été clair au début. Tout ce que vous êtes en train de dire, tout cela a été expliqué ici, de fond en comble, pendant des jours. Pendant des jours. C'est pourquoi c'est une question très précise qu'on vous a posée. Très précise. Donc, allez-y. S'il vous plaît, maître. Okay. Maître, restez à votre place. Restez à votre place. Ce n'est pas le premier qu'on a demandé. Ne commencez pas avec ça, s'il vous plaît. Aucun de vos confrères n'est venu chuchoter quelque chose à un de ses clients. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, alors, le tribunal vous demande de rester à votre place. Voilà. Ne commençons pas avec ça. S'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi vous aimez ça. Donc, je disais que il y a eu des jours ici. Vous-même, vous avez fait deux fois, vous êtes venu à la barre deux fois. Oui. Donc, plusieurs choses ont été dites à la barre de ce tribunal. C'est une question très précise qui vous a été posée. Donc, s'il vous plaît, répondez à cette question-là. Monsieur le Président, ce n'est pas pour discuter avec vous. Nous sommes profanes au niveau de la justice. Moi, je n'ai jamais été à la barre. Je sais que vous allez beaucoup m'excuser du fait qu'il y a eu des tiraillements. Et je ne sais pas que ce n'est pas des tiraillements aussi. Excusez-moi de cette manière. Tout allez, simplement, allez-y, Monsieur Guilla, le président Moussa Dadis Camara était le commandant du régiment. C'est ce que moi je sais. Comment vous le savez que c'était lui le commandant du régiment? Je savais parce que celui qui s'occupait de son régiment, celui qui s'occupait. Monsieur le Président, je peux donner une précision? Allez-y. Monsieur le Président, ce qu'il est en train de raconter, c'est très dangereux. Lorsqu'il dit que j'ai révoqué le commandant Alphonse de ses fonctions et le colonel Aïdor, mais c'est archi faux. On peut dire que c'est une contre-vérité. Voilà. Dites que c'est une contre-vérité.
Monsieur Diakité. Oui, c'est voilà. Monsieur Camara. C'est une contre-vérité. Allez-y. Le commandant Toumba, à l'époque, c'était mon homme de confiance. C'est lui, et dans sa déclaration, il avait même attaqué Aïdor pour dire qu'Aïdor buvait et que Aïdor faisait certaines situations qu'il ne comprenait pas. Donc, Aïdor a été arrêté. Ça, Alphonse a été arrêté à mon insu. Donc, lorsqu'il dit que j'ai révoqué le colonel Saint-Alphonse est là encore vivant. Alors, le problème c'est quoi, mon commandant, moi, monsieur le président? Comme je l'ai bien dit, dans l'armée, ce sont les actes qu'on pose. L'acte que je le dis avec mordicus, c'est les 22 recrues, monsieur le président. Vous avez déjà parlé de ça. Voilà. Et lorsque vous jugez nécessaire que cela n'est pas tout à fait normal à votre conviction, je m'en mettrai à votre sagesse. Mais quelqu'un qui ne gère pas un bataillon, un régiment, ne peut pas avoir le courage, monsieur le président, d'aller dans un centre d'instruction faire prendre 22 recrues, les envoyer dans l'unité dans laquelle où ils commandent. Cela n'a jamais existé. Il faut avoir cette autorité. Et cette autorité, le document prouve à suffisance. Pourquoi monsieur Marcel qui parle comme ça, pourquoi lui n'est pas parti prendre au moins 2 ou 5 recrues avec signature? Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il ne jouait pas ce rôle. Donc, comme je l'ai dit, monsieur le Président, ce document, ce n'est pas un document inventé, c'est écrit « commandant de régiment, aide de camp ». Lorsque vous voyez même comment dirais-je avec le cachet. Alors, si on est devant vous aujourd'hui, monsieur le Président, la vie, je crois qu'à un certain moment donné, on se doit vraiment de dire la vérité. Moi, il y a des moments, et lorsque le débat va continuer, ce qu'il n'a pas fait, j'aurai le courage de dire non, ça, il n'a pas fait ça, mais il a fait ça. Ce document atteste. C'est un acte signé, commandant de régiment, aide de camp. Merci, monsieur Camara. Ouais. Je comprends. Vous voulez dire un mot là-dessus? Allez-y. Monsieur le Président, je demande au Président Dadis de prendre le courage. Il a été père de la nation, commandant en chef des forces armées. Une transition militaire. Les hommes dont tu as nommé par décret furent arrêtés. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas au courant de cela. Ce sont tes éléments clés. Un régiment n'est pas de n'importe qui, monsieur le président. Un régiment, ce n'est pas un bataillon. Un régiment comporte plusieurs bataillons. En nommant ceci par décret, ces deux personnages, le chef et son adjoint, arrêtés. C'est une révocation. Il l'a révoqué. C'est ses instructions. Si on arrête un ministre, mais est-ce qu'il cesse d'être ministre? Monsieur le Président, j'en ai terminé. Bon, monsieur le Président... Vous voulez dire un mot aussi dessus? Allumez le micro, s'il vous plaît. Je voulais un peu abonder dans le même sens. Le Président... notre président, c'est pas à travers ce jugement, il est toujours une personne pour nous que nous allons toujours continuer à respecter. C'est Dieu qui l'a élevé à ce degré. Je voulais simplement le rappeler que moi,
qu'il a approché en tant que conseiller. Moi, je ne suis pas dépassé par les événements parce que je sais en quoi je suis adossé. Je savais que cela allait arriver. Que nous le jugeons ici, je voulais le rappeler. Ça serait jugé encore, c'est l'Éternel. C'est la même chose que l'Éternel a dit. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ça, les chefs diront encore, « Makana lana alaykum min sultani balkuntum gawmun tahin » C'est-à-dire que les chefs diront, monsieur. Que les chefs diront, je me répète, les chefs diront, makana lana alaykum min sultani balkuntum gawmun tahin. Cela veut dire quoi? Que les chefs diront, c'est nous qui vous avons induit dans l'erreur, étant donné que nous-mêmes nous étions égarés. S'il m'a approché, je vais le dire. Ce que Dieu encore a dit, parce que je l'ai dit lors de mon passage, que moi, tout ce que je fais, c'est en connaissance de cause. Dieu a dit... C'est bon, s'il vous plaît. Excusez, président, c'est très important parce que c'est notre chef. Oui, est-ce que vous partez toujours dans le même sens? Je le conseille de prendre ses responsabilités, de comprendre que ça... Et arrivé, il ne peut pas le nier. Marcel, je ne peux pas dire plus que Marcel. Mais je voulais le dire, dans le temps, l'homme est dans la perdition. Sauf ceux qui endurent et croient et qui se disent la vérité dans la patience. C'est ce que Dieu a dit. Walas, innal insan la fi usri. L'allazina amanu wa amilu saliyata wa tawasabil haq wa tawasabil sabr. C'est ça. Donc, vous avez été notre chef, père de la nation, vraiment, ne vous rabaissez pas à ce niveau, prenez votre responsabilité, monsieur le président. Bon. Montrez-moi un acte. Monsieur le président, s'il vous plaît, c'est bon. Je vais vous présenter un acte, si vous voulez bien. À partir de cet acte... Allez-y, si vous avez un acte. Oui, l'acte que j'ai... Ou bien, c'est pas à part l'acte que le tribunal a déjà. Oui, l'acte que le tribunal a... Monsieur le Président, ce n'est pas un acte anodin. Ça, nous l'avons déjà. Et il y a eu beaucoup de débats sur cet acte-là. Voilà. Non seulement cet acte, il est allé avec l'adjudant de bataillon. C'est bon, s'il s'agit de cet acte-là, il y a eu suffisamment de débats sur cet acte. Vous étiez là, vous avez suivi. Voilà, c'est à ce niveau. Merci, voilà. Monsieur Camara. Merci, Monsieur le Président. On va maintenant parler de la garde présidentielle. Monsieur Camara, je commence toujours par vous. Oui, Monsieur le Président. Qui commandait la garde présidentielle? La garde présidentielle, comme je le dis, parce que il y avait les deux éléments qui ont été arrêtés sous prétexte qu'ils voulaient faire un poste. Et donc, cette garde présidentielle, comme je le dis, Monsieur le Président, je n'ai aucun intérêt de mentir. Par confiance, la confiance que j'ai eue sur le commandant Toumba, c'est le commandant Toumba qui faisait toute la planification. Moi, je n'étais pas là pour me planifier moi-même. Les hommes de garde qui doivent me garder, ça venait de lui, la gestion du personnel. Et aussi au niveau du salon, quand je dois sortir, c'est pas moi qui vais prendre une feuille en train de dire tel. Cette gestion revenait à lui. Alors aujourd'hui, on est devant ce tribunal. J'estime que le commandant Toumba, comme il est en train de prêcher, de faire des versets, à un certain moment donné, il faut avoir le courage. Vous pouvez le faire aussi, hein, si vous voulez. Hein. Non. Je veux dire, puisqu'il croit en Dieu, la gestion du personnel, la garde présidentielle, mais c'est lui qui l'assurait. C'est lui qui coordonnait les gens de Tombo, qui coordonnait les gens de Kamakambo et le kilomètre 36. Comment on le devient?
Vous dites, monsieur le président, comment on le devient? Comment on devient commandant de la garde présidentielle? Commandant de la garde présidentielle, c'est une question de confiance, monsieur le président. Rien que ça. Il n'y a pas d'acte. Non, il y a un acte. Il y a un acte. Et comment ça s'appelle cet acte? L'acte, c'est l'acte qu'on signe pour nommer l'intéressé à cette fonction. Qui le fait? C'est bien moi qui pouvais le faire en ce moment. Est-ce que vous avez fait cet acte? Non, c'est ce que je venais de dire tantôt, monsieur le président. Je dis, lorsque les deux ont été pris, le poste est resté vacant. Il était question, le ministre de la Défense et moi cherchions leur remplaçant. Un acte de commandant de la garde présidentielle. Nous parlons maintenant du commandant de la garde présidentielle. Ou bien le commandant du régiment et le commandant de la garde présidentielle sont les mêmes fonctions? Est-ce que ce sont les mêmes fonctions? Le commandant, je n'avais pas un commandant de la garde présidentielle en tant que tel. Commandant de la garde présidentielle, non. J'avais seulement mon aide de camp qui était le commandant Toumba, et cumulativement à cette fonction que je venais de parler tantôt. Laquelle? Le régiment qui gérait le régiment, qui coordonnait le kilomètre 36, le camp Makambo. Est-ce que vous voulez dire que le commandant du régiment était encore le commandant de la garde présidentielle? Je ne veux pas dire que le commandant du régiment est le commandant de la garde présidentielle. Alors, qui était le commandant de la garde présidentielle? Le commandant de la garde présidentielle, je n'avais pas nommé un commandant de la garde présidentielle. C'est le régiment qui gérait effectivement le personnel. Est-ce que le tribunal doit comprendre alors là que le commandant du régiment était encore le commandant de la garde présidentielle? Il gérait encore la garde présidentielle. Le tribunal doit comprendre que le régiment qui était là, celui qui gérait le régiment, c'est lui qui faisait la planification des hommes. C'est lui qui gérait encore la garde présidentielle. Est-ce que c'est ça? En même temps, c'est lui qui gérait la garde présidentielle. C'est le commandant Toumba qui me gérait. C'est le commandant Toumba qui me gérait. Donc, d'après vous, selon vous du moins, le commandant Aboubakar Diakité du Toumba était le commandant du régiment, en même temps le commandant de la garde présidentielle. Cumulativement à cette fonction, d'aide de camp en même temps. D'accord, les trois. Oui, cumul de fonctions. C'est ça, bon. Ça, c'est par rapport c'est à la bon, confiance. C'est bon, monsieur Camara, on a compris. Oui. Monsieur Marcel, qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Qui était le commandant de la garde présidentielle? Le commandant de la garde présidentielle, monsieur le président, ce sont des termes militaires. Commandant de compagnie, commandant de la garde présidentielle, commandant du régiment. Ce régiment était conçu seulement qu'à la présidence. D'ailleurs, moi je dis un soi-disant régiment que le président lui-même a fondé. Il y a Tombo, il y a Kamakambo qui appelé avant Kamkundara, il y a le J, kilomètre 36, il y a la case Bellevue, il y avait les hommes là-bas, et dans l'enceinte de la présidence, il y avait des compagnies. C'est l'ensemble de ceci, vu le nombre, on a nommé régiment. Dans ce régiment, chacun avait sa responsabilité de commandement. Il y avait un commandant du salon. Le salon proprement dit du président de la République.
il y avait son aide du camp qui travaille avec ce salon. C'est avec eux. Quand le président sort, c'est pas tout le monde. Ces autres, ce sont qu'on appelle la garde éloignée. Ils font partie de la garde présidentielle, mais on a besoin d'eux. C'est-à-dire, ils viennent lorsqu'on leur dit de venir. Ils ont des points où ils doivent rendre la sécurité. Donc, le commandant de la garde présidentielle n'existait pas. C'est le commandant du régiment qui existait. Ce commandant du régiment était commandé par le président de la République. À partir du moment, lui-même, il vient de dire ici que les deux personnes, lorsqu'on a dit ils veulent faire coup d'État, il a dit si, déjà. C'est en fonction de ça, l'instruction a été donnée de les arrêter. Ils ont cessé de fonctionner et le président a pris. Un sous-lieutenant ne peut pas être commandant du régiment. Un lieutenant plein ne peut pas être commandant du régiment. Dans aucune armée, on le voit. Aucune armée ne peut prendre un sous-lieutenant, mettre commandant du régiment. Donc, d'après vous, également, le commandant du régiment était cumulé les fonctions aussi de commandant de la garde présidentielle. C'est ce que je vous ai expliqué, monsieur le président. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Est-ce qu'on doit comprendre comme ça? Vous dites? Est-ce qu'on doit comprendre que le commandant du régiment assurait cumulativement les fonctions de commandant de la garde présidentielle? Bien sûr. Monsieur Gakité, sur la même question, qui était le commandant de la garde présidentielle? Qui commandait la garde présidentielle? Par rapport à cette question, monsieur le président, je crois que Marcel a bien expliqué, et le président lui-même l'a bien expliqué. Donc, c'était le président lui-même. Ça, c'était juste pour, je vais le rappeler, à la prise du pouvoir. Ça m'avait beaucoup touché. Je vais profiter de l'occasion de le dire. Il dit, Toumba, où sont mes hommes? S'il se rappelle, ses hommes. Il n'a jamais voulu que quelqu'un soit en contact direct. Ça, c'était pour, en connaissance de cause. Voilà pour lui, donc, il était le commandant cumulativement. Cumulativement, nous, s'il montre ici un décret, puisque rien ne l'empêchait de le faire, il avait le plein pouvoir, ça, c'est dans son pouvoir discrétionnaire. S'il ne l'a pas fait, franchement, c'est lui qui aurait entraîné toute cette pagaille, puisque ici, à la barre, même le commandant du salon, j'ai compris, ça m'a touché lorsqu'il disait, d'une part, Toumba me commandait, d'autre part, Toumba ne me commandait pas. Tout a été planifié par le président. J'ai dit, mais quand est-ce lui, il a pensé comme ça? D'une part, Toumba me commandait, d'autre part, Toumba ne me commande pas. Tout a été pour opposer les gens, juste merci. Donc, le président cumulait tout, il contrôlait tout. Vous avez quelque chose à dire dessus? Oui, j'ai quelque chose à dire, monsieur le président. Allez-y. J'estime que il faut avoir juste la foi de dire la vérité. Par rapport au régiment, comme je vous l'ai dit, monsieur le président, voyez-vous, il vient effectivement de revenir sur la question par rapport au commandant du régiment. J'ai dit non. J'ai dit celui qui était le commandant du régiment, c'était un cumul de fonctions. Et vous allez peut-être être étonné, mais ces prérogatives, c'est par rapport à la confiance, monsieur le président. Lorsque ces deux éléments n'étaient plus là officiellement,
La question qui se pose, et peut-être que je n'ai pas la prétention de dire que le tribunal peut poser la question à commandant M. Toumba, qu'est-ce qui l'aurait poussé quelqu'un qui n'est pas commandant de régiment à aller faire sortir 22 recrues qui n'ont pas encore fini leur formation? Cette question, s'il la répond, j'estime qu'on va évoluer. Alors donc, Monsieur le Président, à des moments donnés, il faut avoir le courage, la fonction que vous avez assumée, de le dire, un président n'est pas là qui fait sa propre planification. Quand il doit sortir, c'est ce cumul de fonctions par confiance. Je n'ai même pas pensé à un problème de grade, hein, Monsieur le Président. Il faut que je sois sincère avec vous. Dire que non, il faut prendre un colonel, il faut prendre un général. Non, Monsieur le Président. La confiance que j'avais en cet homme, en M. Toumba, suffisait à suffisance pour que je lui donne ce plein pouvoir. Monsieur Diakité, quand le président devait sortir, qui était chargé de coordonner ses sorties, ainsi que les hommes qui doivent l'accompagner? Bon. La question a été débattue ici pendant longtemps. Oui. Voilà. Le tribunal revient dessus. Disons, comme ça a été acquis au débat ici, que je pouvais sortir les chercher, le commandant du salon, la plupart du temps, organisait la sortie et le commandant d'opération, Makambo. Si je suis appelé par le président, parfois il arrivait qu'il le fasse. Juste ça, c'est pour venir me dire, Toumba, voilà, apprêtons-nous pour tel point à tel point. Et je donnais l'instruction au commandant de salon de mettre le convoi en marche. Mais si je ne suis pas consulté, c'est moi qui l'ai cherché parce que mes fonctions me permettaient en tant qu'aide de camp. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me rappelle quel rôle j'avais à côté de lui en tant que son chargé de sécurité rapproché et de protection et conseiller et confident. Donc, je sortais le chercher en attendant qu'il prenne un acte me révoquant de mes fonctions. Mais on ne me rappelle pas. Je connaissais mes attributions. Est-ce donc, qu'on peut comprendre par là que vous coordonniez sa sortie? Non, pas. On ne peut pas le dire parce que ça a été acquis ici. Est-ce que les hommes qui étaient proches de lui, c'est-à-dire sa garde très proche, sa garde rapprochée, ouais, étaient gérés par vous, oui, en tant qu'aide de camp? Oh, oui, pendant quelque temps, la plupart des cas. Est-ce que ça faisait partie de vos prérogatives? Voilà, ça faisait partie de mes prérogatives. Je viens, Monsieur le Président. Il a été acquis au débat. Moi, connaissant mes attributions, c'est pourquoi, lorsque je fus appelé le petit matin, réveillé par Marcel, ça c'est acquis, qu'en aucun cas je n'étais associé avec eux bien avant et le même jour, je viens. C'est pourquoi, connaissant mes attributions, conseiller, malgré son état d'âme et son tempérament qui est connu de tout le monde, j'étais le seul à le dire que personne ne sort. Et je suis parti, ceux qui supposaient relever de mon commandement le salon, je les ai dit, et de ne pas le laisser sortir, et ça a été confirmé ici. C'est bon? Voilà. Je n'ai pas autorisé sur autre. On va revenir sur... Vous avez dit, M. Diakité, le jour de ces événements, c'est-à-dire le matin du 28 septembre 2009, que vous avez été appelé par M. Moussa Dadis Camara, alors président de la transition. Oui. Et vous l'avez entendu dire
Le pouvoir est à terre. Ils vont le regretter. Allez les mater. Est-ce que vous le confirmez? Oui, monsieur le président. Est-ce que vous confirmez que monsieur Marcel était là? Monsieur Marcel était là puisque c'est Marcel qui était parti chercher le matin. C'est bon. Monsieur Marcel, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces propos? Selon monsieur Aboubakar Diakité di Toumba, tenu par monsieur Moussa Dadis Camara le matin du 28 septembre 2009. Comme vous dites, il n'y a pas trop de commentaires. Je confirme, c'est moi-même qui suis parti. J'ai réveillé mon ami Toumba. Je lui dis, ah, l'État, j'ai trouvé le président. Moi, tu sais que j'ai fait un accident. Je ne peux pas me mettre à le calmer. Il faut qu'on parte. Arrivé, c'est ses propos qu'on a entendus et j'étais là. Monsieur Camara. Oui, monsieur le président, je pense qu'il y a une contradiction très flagrante par rapport aux deux déclarations que vous venez bel et bien de poser. Si j'ai bonne souvenance, monsieur le président, et j'estime ce qui me plaît aussi au tribunal, bon, c'est une expression, quand je parle de la mémoire, une mémoire d'éléphant, une personne qui n'oublie pas, même une virgule. Vous venez de toucher un point très important. Quand M. Toumba a passé devant vous, M. le Président, il a été catégorique en disant que lorsque j'affirmais que le pouvoir est à terre, il faut aller les mater, que c'était mon aide, le commandant du salon, Escobar, qui était à côté Condé. Si j'ai bonne souvenance, il n'a pas parlé ce jour de choses de Marcel. Et lorsque le commandant Escobar, Condé est venu ici, il a été très clair. Il a dit que les allégations, la déclaration de M. Toumba, que lui, il n'a pas entendu. Et que Toumba et moi étions dans mon bureau, que lui, il n'a pas entendu. Alors, monsieur le président. Il a dit que sa position ne lui permettait pas d'entendre ce qui se disait dans la chambre. Parfait, monsieur le président. Et lorsque monsieur Marcel affirme gratuitement, alors que lui-même, dans sa déclaration, il n'a pas dit ça dans le primitif de sa déclaration, monsieur le président. Il disait qu'il est venu, et quand il est venu, et voilà, il m'a vu dans un état, il est allé appeler le commandant Toumba. Si lui, aujourd'hui, il confirme quelle preuve il a, du moment qu'il n'a pas dit au primitif, j'estime que, monsieur le président, nous ne sommes pas devant votre tribunal pour essayer de tourner autour du point. Je dis simplement que par rapport à cette affirmation, le commandant du salon a été très clair. C'est l'homme qui était d'ailleurs attendu par votre tribunal, Escobar, par le procureur même. Il a été très clair ici. Est-ce que vous avez dit cela? Je n'ai jamais dit ça. C'est bon. Allez-y, si vous voulez dire quelque chose. Oh oui. Merci, monsieur le président. C'est que je ne sais pas pourquoi on cherche à changer le propos des uns et aux autres en leur présence par le président. Moi, j'étais clair. J'ai bonne souvenance. C'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi même, c'est-à-dire, c'est tiraillé. Mais puisque c'est ce qu'il a préféré, il n'y a pas de problème. J'ai voulu rappeler, et je persiste là-dessus, que nous sommes venus de l'abbé et nous sommes arrivés ici, je le rappelle, à 5 heures du matin, le 27. Il n'a jamais voulu reconnaître. Il a dit qu'on est rentré ici le 27 à 0 heure. Je me pose la question, pourquoi il le dit ?
Pourquoi il le fait? Ça, c'est un. Deuxièmement, j'ai dit que ce jour, le 28 septembre, il y a eu deux groupes d'abord, le petit matin. Pour un premier temps, moi, je ne savais rien de tout ce qui s'est passé, je dormais. J'ai vu les Georges, les Théodore, qui étaient venus d'abord m'opportuner dans mon lit, dans ma chambre. C'est là que j'ai compris que ça n'allait pas. C'est par eux que j'ai entendu que ça n'allait pas en ville. Et de par ma fenêtre, qui aboutissait directement sur la route Le Prince, j'observais même la foule. J'étais assis dans mon lit et j'ai dit, c'est là-bas que j'ai entendu Georges téléphoner qu'il a même envoyé les gens infiltrés et que je leur dis que personne ne sort ici. Et ça s'est passé d'abord entre moi et eux. Marcel n'était pas présent. C'est lorsque ce groupe-là est ressorti mécontent, ils sont partis, en tout cas là-bas. J'ai vu Marcel revenir maintenant, me trouver dans ma chambre pour me dire, effectivement, il avait sa langue cousue, suturée, et pour me dire que difficilement que le président est dans tout son état, qu'il m'appelait. C'est en ce moment que je suis sorti avec Marcel. Nous sommes venus traverser le salon où le commandant du salon était. Il parle de bureau, moi je ne parle pas de bureau. Cela s'est passé dans sa chambre. Il faut que ça soit clair. L'état dans lequel je l'ai trouvé dans la chambre, Makambo était présent, Georges était présent, Thomas était présent, et tant d'autres étaient présents, Marcel était venu avec moi. L'état d'âme dans lequel je le trouve qui se rappelle. Cela même, c'est-à-dire, c'est pourquoi moi je ne suis pas un béni, oui. Lorsque nous sommes à côté d'un chef par confiance, comme il le dit, l'état d'âme dans lequel je l'ai trouvé dans la chambre, c'est en ce moment, puisque ça a été dit ici, je vais résumer. C'est là que je l'ai trouvé en tout état. Il était en train de vaciller pour chercher à s'habiller devant les gens en fétiche pour dire le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter, il faut les mater. J'ai dit non. C'est moi qui j'ai donné contre-ordre automatique. J'ai dit non. Mais ils ne m'écoutent pas. J'ai dit personne ne sort. Comme ça, je l'ai dit ça là-bas. Ça veut dire que vous étiez, monsieur Marcel était là. Marcel était présent. Voilà. C'était pas c'est de, bon. Le commandant du salon c'est bon, n'était s'il pas. Vous plaît. Est-ce que vous vous rappelez de ça, monsieur Camara? Non, monsieur le président. J'estime bien que les déclarations ont varié. Parce que le primitif de sa déclaration, il n'a pas parlé de Marcel. Il a parlé, il a pris témoin oculaire le commandant du salon qui est venu devant votre auguste tribunal, monsieur le président. Si ce dernier disait, affirmait catégoriquement que oui, monsieur Moussa Dadis Camara aurait dit que le pouvoir est à terre, mais je n'aurai plus d'arguments devant vous, monsieur le président. De toute façon, tout le monde peut consulter les anciennes déclarations. Voilà, donc, c'est ça, monsieur le président, c'est des variations. Est-ce que monsieur Marcel a quelque chose à dire là-dessus ou bien on passe? Je ne sais pas pourquoi ce tiraillement. Le président Dadis n'a qu'à savoir que tous connaissent son tempérament. Lui-même, dans ses déclarations, peut-être vous allez en venir, et il dit, allons-y, ils vont nous tuer tous. Ce sont des propos. Il a dit, le commandant du salon est venu, il l'a confirmé. C'est pour vous dire que on ne lui parle des contre-vérités contre lui. C'est notre président.
mais qu'il prend sa responsabilité. On ne peut pas venir inventer cela. Monsieur le Président, c'est tout ce que je peux ajouter. Monsieur le Président, je veux simplement que M. Marcel reste dans le cadre. Vous avez été très, très clair, Monsieur le Président, on reste dans le cadre, on n'a plus besoin de divaguer. La question est précise. Est-ce que, Monsieur Camara, à un moment donné, vous étiez avec Pumba? C'est là où je dis qu'il y a une variation au primitif. Sinon, c'est lui qui aurait témoigné. C'est bon, c'est bon. Monsieur le Président, je voulais l'aider. Ils peuvent vérifier. Je l'ai dit, c'est après le salon, après la chambre. À la sortie, j'ai croisé le commandant du salon dans le salon et je l'ai instruit. C'est bon. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit que tout le monde peut avoir accès aux anciennes déclarations pour pouvoir les vérifier. Et il avait, monsieur le président, avec votre permission, il avait pris le commandant Condé Escobar comme son témoin oculaire. Monsieur Escobar a été cité ici par le ministère public. Et effectivement, il a passé devant votre tribunal, pas devant votre tribunal ici. C'est bon, monsieur Camara, c'est bon. Voilà, le tribunal va se limiter là pour le moment. Est-ce que le ministère public a un autre point de contradiction? Je dis bien point de contradiction. Oui, monsieur le président. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable. Si ce n'est pas un véritable point de contradiction, le tribunal retire. Ça, yeah. Je vous informe dès maintenant. Il n'y a aucun problème, Monsieur le Président. Bon. Monsieur le Président, le parquet voudrait poser une question par rapport à un point de contradiction. C'est par rapport à la préparation des événements du 28 septembre. On veut savoir, monsieur, je pose la question à monsieur Dadis Camara. Oui, monsieur le procureur. Dans les débats, il a été dit oui. Que les recrues de Kalia oui. Se sont retrouvées au camp Alfaya Diallo. Oui. Bien avant les événements du 28 septembre. Oui. Et un jour, Colonel Claude Pivi oui. A fait présenter ces éléments qui ont même fait quelques démonstrations en votre présence. Oui. On voudrait savoir, ces déclarations ont été tenues par commandant Toumba. Oui. Qu'est-ce que vous connaissez de ces déclarations-là? Qu'est-ce que vous dites? Ces déclarations, je trouve que c'est des allégations. C'est des allégations. Lui-même, il a dit ici qu'il n'a jamais été associé à une préparation qui qu'elle soit pour les événements du 28 septembre. Alors, lorsque cette question surgit, c'est sa déclaration, monsieur le procureur. Et vous savez, quand on est devant un tribunal, chacun donne ses idées. C'est au tribunal de faire la part des choses. C'est ça, c'est son point de vue. Moi, je n'étais pas avec lui. C'est lui qui a observé. Ça n'engage que lui. C'est bon. Est-ce que ces personnes ont fait une démonstration où vous étiez présent? Non, monsieur le procureur, c'est ce que je vous dis. J'ai dit, dans un débat de ce genre, tout le monde peut avancer des idées. Mais aucune démonstration n'a été faite devant moi. C'est bon. Cette question, monsieur le commandant Diakité. Merci, monsieur le procureur. Par rapport à la présence des groupes d'éléments à la présidence, relativement au ministre chargé de la sécurité présidentielle, j'avais parlé de la présence des civils pratiquants.
d'arts martiaux qu'il formait bien avant. Ceux-ci ont fait procéder à une démonstration puisqu'ils étaient directement entretenus par le président. Voilà. Et maintenant, concernant ceux qui étaient venus dans l'intervalle 20 jusqu'à 26 en provenance de Kalea, voilà, j'ai parlé ceux qui perdent de ceci également, les Macambo, les Théodore, les Gono Sangaré, j'ai parlé de ceci qui habitaient en face de mon bâtiment. Donc, ceci presque ne relevait pas de grand coup. Mais les pratiquants quand même relevaient de grand coup, puisque j'ai parlé d'eux de ces élèves qui s'occupaient de ceci à l'époque, un certain Bamba et un certain Ablaye. Donc, c'était par rapport à ça. Dans tous les cas, je vois la volonté du président à tout rejeter, mais c'est pas mal. C'est acquis au débat, puisque moi, je l'ai évoqué. D'autres sont venus également le confirmer ici. Donc, il n'y a aucun doute que effectivement, il y avait des éléments à la présence. Ça, j'insiste et je persiste. C'est bon, merci. Voilà. Et le deuxième point, par rapport à la sortie du président Dadis, vous avez cette question d'abord au commandant Toumba. Vous avez déclaré ici que vous êtes allé au stade dans le souci de chercher le président de la République qui était sorti. N'est-ce pas? Oui, monsieur le procureur. Alors, nous voulons savoir, est-ce que vous confirmez que vous étiez venu, trouver que le président n'était pas, et c'est ce qui vous a conduit à sortir pour aller au stade? Bon, pas soi-disant venu directement chez lui, je ne l'ai jamais dit, comme d'habitude, je sais dans quel état je l'ai laissé, chez lui, et vous allez remarquer que je disais dans ma tête, comme les autres fois, j'ai l'habitude de le chercher, ça a été acquis au débat ici, il n'y a pas de doute là-dessus, et je n'avais jamais imaginé que il n'était pas sorti. C'est après toute ma tournée, je ne l'ai pas vu, et puis je suis revenu. Et moi, c'est ici que j'ai appris qu'il était sorti maintenant. Et d'autres ont dit qu'ils l'ont vu même sortir. Mais moi, je sais, celui qui est venu m'informer, vous avez compris, quelqu'un qui l'a laissé en train de s'embarquer bien avant que le commandant du salon ne vienne retirer le clé et essuyer des paires de gifles. Vous voyez ce que ça caractérise l'état d'âme. Alors, la personne. On peut comprendre que vous n'avez pas ce jour-là la rassurance que le président était sorti. Non, j'avais la rassurance, c'est sinon je n'allais pas sortir. Non, c'est comme les autres fois. Je l'ai plusieurs fois rejoint. Donc, j'avais l'assurance effective. D'ailleurs, il n'était plus dans la maison, il était dans son véhicule avant qu'on ne vienne m'informer. Ça a été acquis au débat. Donc, selon vous, il était sorti. Il était sorti. Selon moi. Ouais. Monsieur Camara, cette question à vous. Ouais, est-ce que vous étiez effectivement sorti ce jour? Monsieur le procureur, le témoin oculaire, le commandant Condé, a été très clair devant votre auguste tribunal. Et comme le président venait de dire, on n'a plus besoin de faire autre débat. Ce ne sont que des points de précision. Et monsieur le procureur, juste même si on n'a pas fait le droit, lorsqu'un chef d'État, vous venez vous-même, vous le dites au commandant de salon de ne pas le laisser sortir, faute de quoi il aura affaire avec vous. Vous n'êtes pas ailleurs, vous êtes à quelques 5, 10 mètres
du président de la République. Qu'est-ce qui va vous pousser à écouter ou à dire que c'est quelqu'un qui vous a dit ne pas venir, l'homme que vous l'avez dit de rester, venir voir si effectivement le président est là ou si le président n'est pas là. Il ne l'a pas fait. Il dit qu'il est allé me chercher. À ce niveau, je pense que le tribunal est mieux censé de comprendre cette position. Et, monsieur le procureur, si l'aide de camp, non, je m'excuse de l'expression, le commandant de salon, il est passé devant vous ici. Si j'étais sorti, monsieur le procureur, il allait être clair avec vous. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour juste me charger. Et ça a été juste quelque chose qui a été inventé. Et inventé, dire qu'il est sorti. Sortir avec qui? Moi, je me focalise au niveau du commandant du salon. Parce c'est que bon, c'est bon. Donc, vous n'étiez pas sorti? Je ne suis pas sorti. Et monsieur le procureur, je ne suis pas sorti aujourd'hui, je ne suis pas sorti demain. Troisième point pour finir, cette question est relative à la présence de Marcel Guilavogui, selon les déclarations de commandant Toumba. Commandant Toumba, vous avez déclaré ici que le jour du 28 septembre, quand vous avez pris le départ du camp Alfaya Yalo, vous avez pris la route jusqu'au niveau de Madina. Arrivé à Madina, que vous avez trouvé la première équipe qui était dirigée par Marcel Guilavogui. Marcel était avec ses hommes. Est-ce que vous le confirmez? Bon, moi, en toute sincérité, monsieur le procureur, concernant Marcel, lors de ma première comparution, j'ai dit tout au tribunal. Et Marcel était revenu également ici pour une deuxième fois confirmer tout ce que Toumba avait dit. Sincèrement, je voudrais qu'on s'en tienne à est-ce ma première déclaration. Est-ce que vous confirmez spécialement ce qui vient d'être dit par M. le procureur? Je l'ai dit, et c'est ça. Donc, je ne reviendrai plus par rapport à quoi que ce soit entre moi et Marcel, parce que Marcel est venu enlever le péché entre moi et lui en disant exactement ce qui était au stade. Donc, je n'ai rien à discuter avec Marcel. Monsieur Marcel, oui. Vous avez suivi avec intérêt la réponse de commandant Toumba par rapport à votre présence au niveau de Madina, avec vos hommes. Merci, monsieur. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Bon, ma réaction n'est que, vous savez, le jugement est très complexe. Toumba avait dit qu'il m'avait vu à Madina, sur le pont. Bon, je ne peux pas lui dire ce qu'il entend de dire, que c'est vrai, c'est faux. Mais, monsieur le président, moi, je n'étais pas à Madina avec une troupe. Je suis pas un commandant d'unité ni un chef de section. Et je ne suis pas en mesure aussi d'équiper des gens et carburer, mettre des cortèges. Si Toumba avait vu Marcel sur le pont, je pense bien, j'avais bien expliqué cela, il allait m'appeler. Il n'y a pas d'antécédent entre moi et lui. Il peut voir une personne, il croit quand que c'est Marcel, mais ce n'était pas moi. Je crois bien, j'ai beaucoup détaillé ça. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Honorable assesseur, à la suite de mon éminent collègue, j'ai trois petites choses à demander. Et la première, monsieur Dadis. Oui, monsieur le procureur. Vous aviez dit que commandant Toumba était le commandant du régiment. Oui.
Qui était son adjoint? Celui que tout le monde appelait couramment adjoint. Tout le monde appelait couramment que Marcel était son adjoint, mais dans les axes, tout ce que je sais, moi, mon homme de confiance, tout ce que je sais, c'était le commandant Toumba qui assurait le régiment. Il veut savoir qui était son adjoint. Bon, son adjoint, là, c'est lui seul qui sait qui était son adjoint. C'est lui seul qui sait qui était son adjoint. Vous ne savez pas? Non, moi je dis que mon homme de confiance, l'homme à qui j'avais confiance, c'était le commandant Toumba. Et ça, je le dis avec mordicus. Maintenant, s'il avait des adjoints, il est la seule personne à dire que c'est elle qui était mon adjoint. Pourtant, vous venez de parler de M. Marcel. Oui, c'est ce que les gens disaient. C'est ce que les gens disaient parce qu'on était... Chaque fois qu'il sortait, Marcel était avec lui. Chaque fois qu'il sortait, Marcel était avec lui. Est-ce que M. Marcel était son adjoint? Oh, bon... C'est au tribunal d'apprécier, monsieur le président. C'est au tribunal. Est-ce que M. Marcel était son adjoint? Les deux sont là, monsieur le président. Les deux sont là. Je pense que la confrontation... Vous étiez le président. Est-ce que M. Marcel était son adjoint? Tout ce que je sais, Toumba ne faisait rien sans Marcel. Est-ce que c'était son adjoint, M. Camara? Son adjoint, bon... Il était très proche de lui et vraiment... Allez-y, continue. Ça, c'est bon, ouais. C'est bon. Parce que je peux dire que oui, il était son adjoint, les deux peuvent dire que non, c'est pas ça. C'est à eux de voir. C'est le tribunal qui est là. Ce ne sont que des affirmations qu'on donne, mais le tribunal est censé est bien placé, réfléchi, de voir effectivement... Vous savez, M. Camara, le tribunal est dirigé par des hommes qui n'étaient pas là. Ouais. Au moment où vous exerciez ce pouvoir, vous étiez là. Vous observiez tout. Vous étiez le président à l'époque. Vous étiez là. Hein. Oui, monsieur tout s'est passé devant vous. Oui, effectivement. Marcel, donc, vous ne devez pas employer des... S'il vous plaît, vous ne devez pas employer des à peu près, des approximations. Vous ne devez pas le faire. Ouais. Parce que vous étiez là. Vous étiez à l'époque le président de la transition. Ouais. Je peux et, s'il vous plaît, on est en train de parler des hommes qui étaient très proches de vous. Ouais. Très, très proches même de vous. Donc, si vous-même vous dites c'est le tribunal qui doit le faire, le tribunal ne juge que ce que vous nous dites ici. Le tribunal n'invente rien. D'accord, monsieur le président. Le tribunal ne va pas chercher ces éléments ailleurs. Certes, le tribunal a le dernier mot. Mais le tribunal ne va pas prendre ces éléments ailleurs. À ce que je sache... C'est pourquoi vous devez aider ce tribunal. À ce que je sache... Vous devez l'aider, hein. À ce que je sache... Toumba ne faisait rien sans Marcel. Est-ce qu'il était son adjoint? Oui, il était son adjoint. Continuez, monsieur. Bien. Il peut maintenant dire. C'est bon, s'il vous plaît, c'est bon. Les deux faisaient tout ensemble, ça c'est tout. C'est Il vous faut beaucoup de temps, beaucoup de minutes, beaucoup de tournures pour le dire, monsieur Camara. Oui, parce que bon. Pourquoi, monsieur le président? C'est bon. Monsieur le procureur, vous pouvez continuer. On va avancer. Merci, monsieur le président. La deuxième chose, monsieur Camara, commandant Toumba, en sa qualité de commandant du régiment, est-ce qu'il vous rendait compte de toutes les activités menées au sein du régiment? Non. Moi, la seule chose que j'avais besoin... Et c'est quand je sortais, il venait faire la planification et puis il était avec moi. Et
Parce que dans l'armée, il y a ce qu'on appelle revue de troupes. La revue de troupes, il organisait le rassemblement, je venais, je saluais la troupe, puis je rentrais. Mais me dire faire un compte rendu à tout point de vue, non. Et puisque également celui qui coordonnait toutes les activités des différentes unités de la garde présidentielle. Oui. Est-ce qu'en cette qualité également, vous vous rendez compte de tout ce qui se passait? Non. La preuve en est que les hommes qui étaient à ces différents points, c'était uniquement que ces hommes. Ils ne vous rendaient pas compte du tout? Non, ils ne me rendaient pas compte. Et puisque je ne trouvais pas aussi d'objection, je ne trouvais pas aussi des problèmes sur lesquels je pouvais me fonder pour dire que ça ne va pas. Non. Donc vous avez accepté qu'ils travaillent avec les hommes sans vous rendre compte. Vous avez accepté cela quand même? Non, le travail, c'est que quand il n'y a pas de problème, on ne peut pas dire aux subordonnés de faire un compte rendu. C'est quand ça ne va pas que vous demandez le subordonné qu'il y a ça, donne-moi des éléments. Mais si tout va bien dans le cadre normal, vous n'en avez pas besoin, monsieur le procureur. Merci. La troisième et dernière question, monsieur le président, c'est à monsieur Toumba. Voilà, monsieur Toumba, vous étiez le commandant, selon le président Dadis. Monsieur le procureur, on remarque que vous n'avez pas demandé aux autres sur votre premier point. D'accord. C'est une confrontation. D'accord. Allez-y, monsieur Toumba, par rapport à tout ce que nous avons posé comme question à monsieur Dadis. Merci, monsieur le procureur. Précisément, est-ce que monsieur Marcel était à votre adjoint? Non, c'est ce que j'ai dit à l'entame. C'est que c'est purement administratif et il n'y a aucun acte puisque c'est le président qui prend des décrets. Moi, tout ce débat, je l'ai dit déjà, mais je vais encore le revenir que si le président doit en vouloir à qui que ce soit, puisque lui, rien ne l'empêchait, qu'il n'a qu'à s'en vouloir lui-même, parce que rien ne l'empêchait de prendre un décret. Ça, c'est, je voulais le rappeler. C'est les mêmes choses qui arrivera également sur le maître suprême des juges, je le rappelle. Dire, il dira que lui n'a jamais instruit quelqu'un à faire quelque chose.